Dieu-même avait déjà des versets, il a changé ces versets-là. Dire que le général a dit ça, il n'a pas dit ça, il est mieux placé pour vous répondre ça. Mais ce que je vais vous dire, Moutangwaï Sosota, et voilà que nous sommes. C'est la vérité. Dieu-même avait déjà des versets, il a changé ces versets-là. Mais oui, celui qui ne sait pas, quand vous quittez ici tout de suite, demandez les versets abrogés, abrogeant dans le Coran. Et je vous donne l'exemple typique. Le premier verset sur l'alcool. Dieu avait dit, ne vous approchez pas de la prière pendant votre état d'ébriété. Après, il y a un autre verset qui est venu éliminer le verset, l'a dit, l'alcool est haram, interdit complètement. Quand j'entends quelqu'un dire, si moi je dis quelque chose, je ne change pas, j'ai peur de lui, parce que lui, il est Dieu. Le prophète Mohammed a dit des choses, il a changé. Oui. Quand ils ont fait une bataille, ils ont fait des prisonniers. Il ne voulait pas les exécuter. Il a donné sa position. Omar ibn Khattab était opposé. Tout de suite, Dieu lui a révélé, il faut suivre ce que Omar a dit. Il pouvait ne pas se tromper. Mais si le prophète s'était jamais trompé, chacun de nous allait se gonfler pour dire, moi je ne me trompe pas. Mais là où le prophète s'est trompé, si toi tu ne te trompes pas là-bas, tu te mets à la place de Dieu. Je vous remercie.